Nous vous invitons à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, nous venons devant toi en toute humilité pour t'adorer, te louer et te glorifier. Bon Père, nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de ta grandeur et ta majesté. Nous te remercions à cause de ce que tu nous as créé. Et tu as fait de nous tes enfants. Merci pour avoir envoyé ton fils Jésus-Christ qui est mort pour la nation. Nous te remercions pour ce que tu as envoyé le Saint-Esprit en qui nous avons le discernement. Merci, bon Père, pour l'activité de l'apostolat en qui l'Église épouse est préparée en vue du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, bon Père, pour ce qui nous entoure. Merci pour nos familles. Merci pour ton œuvre et pour les serviteurs de Dieu. Merci pour les porteurs de bénédictions. Bon Père, à ce moment précis, nous venons devant toi déposer entre ta sainte main nos suppliques. S'il vous plaît, bon Père, exauce. Ainsi, nous prions pour ceux qui sont malades. Ils ont besoin de ton soutien. Nous prions, bon Père, pour ceux qui sont endeuillés, console-les. Nous prions pour nos bien-aimés de l'au-delà, qu'ils vivent ce moment de paix et de grâce à ton hôtel de grâce. Nous prions, bon Père, pour tes serviteurs et tes servantes. Aussi, nous prions pour le pays. Nous prions pour ceux qui cherchent la paix. Faites en sorte qu'ils fassent tout ce qui peut donner le bénéfice au pays. Nous prions, bon Père, pour l'un ou l'autre qui est affligé et ceux qui se sentent délaissés. Qu'ils retrouvent ta proximité afin qu'ils puissent renouveler ta confiance. Aussi pour continuer à te louer et te glorifier. Nous prions pour l'école de dimanche, la jeunesse, la confirmation, la chorale, aussi pour nos aînés. Bon Père, nous venons aussi prier pour ceux qui manquent la parole pour s'exprimer et que leur cœur s'exprime déjà. Que ton esprit soit leur interlocuteur auprès de toi. En ce moment, bon Père, nous ne t'obligeons pas, nous ne t'imposons pas, mais que cela se fait, que ta volonté soit faite pour cela. En ce moment précis, nous avons besoin de la parole. Prépare nos cœurs pour cela. Que ton esprit nous assiste. Bon Père, purifie-nous et sanctifie-nous. Sanctifie tout ce qui est connecté à ton hôtel. Dans la communion étroite avec l'apostolat. Exauce-nous au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, recevez les salutations de notre apôtre et de nos apôtres. Pour ce service divin, nous avons la parole qui nous a donnée dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bandeko, nasengibino na kombo yankolo nabiso Yesu Kristo. Boyokana, pebotika kokabwana. Bino nyonso, boza la penza motomoko, motema moko, pe makanisise moko. Jusque là, la chorale peut nous interpréter un cantique. Bayem bianzembo bako pesete nianzembo. Et à tous, nous vous souhaitons le bienvenu à cet hôtel du Seigneur. L'occasion nous est offerte à nouveau pour que nous puissions vivre un service divin. Dieu pourvoit toujours pour les siens. Et il a besoin que nous l'écoutions. De la porter nos cœurs plein de foi d'enfants. Notre passage biblique traite de quelques difficultés que Paul avait rencontrées dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a eu quelques problèmes qui étaient de division. Ecclesia ya Korinto bazuaki makambo ya bokabwani. Ya yi formation de groupe. Bakabwana ki biteni biteni. Quant aux fidèles, ils s'appuyaient à leur favori parmi le prédicateur de l'évangile. Bandimi batela ki motema na baye bazalaki ko sepelisa bango na kati ya sango malamu. Et parmi ce groupe, il y avait un qui était brillant et aussi influent, bien sûr. Nakati na eteni moko ezalaki na oyo ayebanaki mingi koleka. Ce groupe-là soutenait et estimait que la réception de l'Esprit Saint était liée à certains dons spécifiques. Eteni wana bazalaki kosimba malamu ete molimo mosantu epesamelaki na makamu moko ya eteni mususu na lolenge na yango. Et surtout, c'était au moment de grosse lali, donc. C'était une période où les gens parlaient en langue qui était considérée comme un don. Ezalaki na ngonga oyo bato bazalaki koloba minoko ebele lokola makabo. Ces langues-là n'avaient même pas de signification, pas même d'explication. Minoko wana ezalaki na bososolité ezalaki pe kolobela ko mokote. Pierre et Paul, en tant que serviteur de Dieu, il a vu les dangers que courait l'église. Maintenant, il devrait faire ce qui était sa mission.
Ils ne pouvaient pas accepter la division. Et vous savez, chers frères et sœurs, il y a deux dimanches passés, notre apôtre ici et notre apôtre Parchage ont martelé sur cela. Il nous a rappelé une des missions de Jésus-Christ. C'est de mettre les fidèles ensemble, les unir. Et ce n'est pas de les diviser. Et c'était le rôle que Paul avait joué. Voyant ces dangers, il avait exhorté les frères et les sœurs en leur disant, nous devrons parler tous le même langage. Ils ne cherchaient pas vraiment l'uniformité de la vie, de la foi à tout un chacun. Mais il voulait que tout soit focalisé sur Jésus-Christ et son évangile. Doit avoir des opinions favorables à la foi en Christ. Quant au disputeur, il s'appuie aussi sur quelques appartenances. Les uns disaient, je suis de Paul. Quant aux autres, je suis d'Apollos. Je suis de Cephas. Je suis de Christ. Mais Paul s'est opposé à tout cela. Paul a boya kinyonso. Et il leur avait fait savoir que Christ ne peut pas être divisé. Il leur a même posé la question, est-ce que Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour le monde? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Chers frères et sœurs, aujourd'hui aussi, il y a certains frères et certaines sœurs qui se centralisent sur certains frères. Ils prennent comme ils étaient de fondement. Or, Paul, lui, il a dit, il n'y a pas de fondement. Il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre époque, nous pouvons nous atteler à avoir quelqu'un comme un fondement, c'est bien. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, nous courons un risque. Au cas où cette personne ne parvenait pas jusqu'au bout, et s'il peut avoir une chute dans sa foi, qu'est-ce que nous deviendrons? Nous avons de l'estime à ceux-là qui nous ont conduits dans le chemin de la foi. À cause de leur encadrement, c'est bon. Ils ont peut-être fait tout pour que nous soyons ce que nous sommes. Avec leurs conseils. Et nous sommes devenus ce que nous sommes. Mais ce que nous devons savoir, nous tous nous attendons Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le fondement que Dieu a planté. Il n'y a pas une autre fondation. Chers frères et sœurs en Christ, Paul, pour poursuivre, il dit aux frères, si Paul ou Apollos a semé, Paul a arrosé et Dieu a fait accroître. Alobina bangote, soki Paul a loni. Apollos a sopi mai, nous sommes capables de bocoli. À qui nous devrons rendre gloire?
Ce n'est pas Apollos, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollos, mais c'est à Dieu. Na Paul to Apollos c'était kasi na Nzambe. C'est ce que nous devrons faire. Yangonde sengeli to sala. Tout ce que nous devrons faire, tout ce que l'un ou l'autre fait, oye doivent être orientés vers Jésus-Christ et son évangile. Oye mokoto mususu akoki ko sala ezali kaka pona Christ pe pona sango malamu. Les dons pour les uns et les autres doivent être pour les édifier l'œuvre. Aucun serviteur qu'il soit-il qui doit être au devant de Jésus-Christ, être considéré comme fondement devant Jésus-Christ. C'est pour cela, dans l'exercice de notre mission, chaque serviteur dans l'exercice de ses tâches, il a des forces et aussi des faiblesses. Là où il est faible, c'est là où les autres complètent. Là où il est faible et les autres épaules, c'est ça la force des autres. L'esprit de division n'est pas fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'ennemi. C'est pour cela Paul nous dit. Nous devrons rester un. Parler le même langage. Avoir le même esprit et le même sentiment. C'est pour cela qu'il dit, si nous sommes un, la communauté bien peut marcher. En cas de division, chacun prend son chemin. Ça peut être aussi un chemin de danger. Et la communauté peut se dissoudre. C'est pour cela, chers frères et sœurs. Paul nous dit ceci et nous exhorte que la communauté doit fonctionner comme fonctionne le corps humain. Le corps avec plusieurs membres et plusieurs organes, il forme qu'un. Le corps avec plusieurs organes et plusieurs membres, il forme qu'un. Peu importe leur nombre, ils dépendent seulement de ce seul corps. Et surtout, vous trouvez que si un petit membre manque dans le corps humain est incomplet. En cas de problème dans le corps, prenons le cas de notre petit doigt, l'auriculaire, je pense qu'on peut l'appeler. S'il subit une blessure, ce n'est pas la souffrance au petit doigt seul. Il y aura un sentiment qui est un sentiment de douleur pour tout le corps. Et d'un côté, si nous sommes dans la joie, notre bouche s'ouvre grandement pour rire. Ça aussi c'est un sentiment qui est un sentiment de gaieté, non seulement pour la bouche seule, mais pour tout le corps et pour tous les organes qui composent le corps. C'est pour cela aucun membre, aucun organe ne peut dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Malgré leur nombre, ils dépendent les uns des autres. Ils s'accordent facilement. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous sommes les membres du corps de Christ. Christ est le corps, tu fais l'ensemble. Nous avons
été intégré dans le corps de Christ lors de notre saint baptême. Et là nous faisons un. Nos appartenances, nos différences n'ont pas une importance. Juifs, païens, pagan, maître, esclave, riche, pauvre, tous appartiennent à Christ et à son Église. C'est ce que nous devrons savoir. C'est pour cela, en arrivant à tout cela, nous devrons connaître que Christ veut que nous soyons un. Et si nous sommes un, nous devrons connaître ce que nous devrons faire. Certes, dans la société humaine, il n'est pas exclu d'avoir des avis et des opinions diverses. Mais nous pouvons arriver de différence à un point commun. Donc, les avis et les opinions des uns des autres peuvent être mis ensemble pour former un. Et ce un-là va nous faire parler un seul langage. Va nous faire animer un seul esprit et un seul sentiment. Ce sentiment, cet esprit-là, ce langage va nous faire parler à notre prochain et ce que nous sommes. Et nous pouvons à notre niveau faire croire à nos contemporains en ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu le Père, le Créateur. Nous croyons à Jésus-Christ qui est mort, ressuscité et qui reviendra. Nous croyons à l'activité du Saint-Esprit. Nous croyons aux apôtres envoyés par Jésus-Christ qu'il enverra encore dans le besoin tant qu'il ne vient pas encore. Et aussi à ceux qui collaborent qui ont la collaboration avec les apôtres selon les mandats qu'ils ont reçus d'eux. Nous croyons aussi au Saint-Sacrement. Nous croyons maintenant que Christ vient bientôt. Si nous professons cela, nous serons en mesure, en tout amour, de le faire comprendre aussi à notre prochain. Et ça sera une union. Une union surtout d'esprit. Que cela reste dans nos cœurs jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La chorale peut nous préparer le chemin. Nous sommes avec notre apôtre Jean-Pierre. L'esprit va parler en lui. Et tendi en zembo, ntomena biso Jean-Pierre Akoyape. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, Balingami, Yami Balipe Yabasi na Christo,
Je ne peux pas commencer cette intervention sans toutefois remercier notre Père Céleste. Na kokiko bandalité été que na pe sans amené biso melesi. Parce que c'est lui qui a fait que aujourd'hui nous soyons avec vous ensemble pour vivre ce service divin. Le problème ici, nous devons faire un effort pour être ensemble, vivre ensemble. Parce qu'à son temps, l'apôtre Paul avait beaucoup de soucis par rapport à cela. Dans l'église, il y avait trop de divisions. Maintenant, dans notre temps ici présent, nous allons cultiver la cohabitation. La cohabitation est très importante pour la survie de l'œuvre. Pour ce faire, il faut bannir, par exemple, des zizanies. Bannir la discorde. Cela n'est pas important. Ça ne peut pas faire avancer l'œuvre de rédemption. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers visiteurs, dans la parole d'aujourd'hui, on a bien épinglé. Nous devons être ensemble. Et parler le même langage. Cela me pousse à raisonner à l'ancien temps. Il y avait une maison qui était construite par des hommes. Ces hommes-là étaient décidés à bâtir une maison qui devrait aller jusqu'au ciel. Et moi, je pense que chacun de vous, là où vous vous trouvez, vous connaissez déjà le nom de cette maison-là. La tour de Babel. Mais pourquoi cette maison-là n'était pas achevée? C'était par rapport aux divergences de vie. Les gens ne parlaient plus le même langage. Et c'est pour cela qu'il y avait la confusion totale. Et à partir de cela, on avait maintenant plusieurs langues ici-bas. C'est pour cela que la maison n'était pas achevée. Leur pari n'était pas atteint. Nous allons bannir cela. Il faut parler le même langage. Parce que le fondement a été déjà posé dans cette église. La fondation, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes appelés à porter notre pierre de construction. Faisons un effort pour bâtir, bien-aimés. Nous voulons être toujours assidus à l'œuvre de rédemption. Faire un effort pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Pour chiter, je peux donner aussi un exemple. Pratiquons aussi l'amour. Un jour, Pierre a posé une question à Jésus-Christ. Si quelqu'un me fait du mal, je peux le pardonner 7 fois. Jésus dit, moi je ne te dis pas 7 fois, mais je vous dis 70 fois 7. Avec le français courant, on peut dire que 70 fois 7 égale combien? Plusieurs fois. Que Dieu nous bénisse. Cultivons l'amour. Pardonner sans cesse. Cela va nous pousser à être toujours unis. Et faire avancer l'œuvre de rédemption. Amen. Il a été bien dit. Ceux qui construisaient cette maison, cette tour,
Il n'avait pas aussi tort, il avait une belle idée. Mais sauf qu'il n'était pas fondé sur un bon fondement. Si c'était sur la fondation de Dieu, il pouvait bien marcher. Ils ont marché à l'encontre de Dieu. Et l'ouvrage n'a pas pris fin. Ils se sont séparés quand même. Hein? Nous, chers frères et sœurs, nous avons envie de vivre auprès de Dieu éternellement. C'est pour cela son fils a envoyé des apôtres qui doivent nous mettre ensemble. Nous sommes appelés à écouter leurs paroles. Nous sommes obligés à chercher l'unité. Imaginez un peu quand nous fêtons la Sainte Cène. Je ne dis pas que nous allons fêter. Quand nous fêtons, nous allons le fêter aussi les jours à venir. Cette coupe-là que nous bénissons, c'est une coupe qui nous donne l'unité, l'union. Même les pains que nous rompons, c'est un pain qui nous donne l'union les uns envers les autres. C'est pour cela dans l'apostolat, c'est là où Jésus reviendra. Ne nous éloignons pas d'eux. Restons là. Même s'il y a divergence du point de vue humain, ça peut arriver. Mais que ça ne nous sépare pas de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons aussi à un moment important de notre service divin. C'est le moment où Dieu attend de nous d'aller auprès de lui avec un cœur reconnaissant et repentant. Nous devrons accepter notre état de pécheur. C'est un fardeau. Mais Christ, le meilleur ami, nous appelle. Il veut que nous déposions tout cela devant ses pieds. Il veut nous décharger de ce fardeau. Enfin, qu'il nous accorde la paix. Très volontiers, acceptons cette demande. Et ça va nous donner la paix. La chorale prépare le chemin, les cantiques de repentance. Bayembi bakopesi biso nzembo ya bobongo limotema. Nous vous invitons à nous mettre debout pour prier le prière que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Nous vous invitons à la prière. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions de tout cœur et surtout d'avoir pardonné nos péchés sans compter leur nombre. Car nous sommes infidèles, toi tu es toujours fidèle. Bon Père, nous sommes étrangers de ce monde. Notre patrie, c'est à côté de toi, là, notre Seigneur Jésus-Christ est allé préparer. C'est pour cela que nous te demandons de nous soutenir, de nous tenir entre ta main et nous conduire là où tu veux. Donne-nous maintenant la force de convaincre, de vaincre le mal. Que nous ne soyons pas une proie de l'ennemi. Tozala batuya mabungate. Sois avec ceux qui souffrent, mon Père. Sois avec ceux qui pleurnichent. Et suis les larmes des yeux de ton peuple. Dans la communion étroite avec l'apostolat, exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Clôturons notre service du vin par la prière de remerciement. Bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci. Encore merci de ce que tu as fait de nous. Tu nous as donné ta parole. Tu as pardonné nos péchés. Et tu as versé autant de bénédictions de différentes manières sur ton peuple. Bon Père, nous te disons merci. Bénis maintenant ton église. Bénis ton peuple. Bénis nos porteurs de bénédictions. Bénis, chers frères, l'école de dimanche. Béni la jeunesse, la confirmation, les aînés, aussi la chorale. Bon Père Céleste, nous voulons vivre auprès de toi pour l'éternité. Accorde-nous les capacités nécessaires pour que nous puissions atteindre la maturité acquise. Que nous soyons agréables à tes yeux. Bénis les offrandes et les sacrifices de ton peuple. Dans la communion étroite avec l'apostolat, exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Merci bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre service du vin.
Bandeko, totondi bino botondi, tokomina suka ya losambo. Et la chorale peut nous donner les cantiques de clôture. Bayembi ya nzembo, bakoko pesa nzembo ya suka. Fanda, Bayembi, Mbonga na Bino Ekopi.